les amis et bienvenue sur TikTok la bricole. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous voyez sûrement ce que c'est. Comme d'habitude, avant tout, pensez à vous abonner, activer la petite cloche bleue pour les notifications, pour les nouvelles vidéos, mettre le petit pouce vers le haut. Et puis voilà, mais tout vous trouverez dans la description, tous les liens des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle panneau solaire, comme vous avez vu, et on va parler des nouveaux panneaux BIM énergie. Maintenant, ça s'appelle BIM, puisqu'ils ont enlevé l'énergie, même si ça apparaît toujours sur l'adresse du site, mais c'est BIM. Et c'est les nouveaux panneaux en 420 watts, puisque avant ils avaient des panneaux en 300 seulement, 300 watts. Donc, comme vous voyez, un petit accro sur le carton, ça a été livré par Geodis. Donc, ceci dit en passant, livreur des Geodis au top, puisqu'il m'a aidé à le transporter. Il m'a attendu pour que je vérifie, vu qu'il y avait le carton déchiré, etc. Regardez s'il n'y avait pas de pète dedans et tout. Respect, parce que c'est rare de nos jours. Donc voilà, petit clin d'œil au livreur de Geodis. Donc pourquoi j'ai pris les panneaux BIM Energy et pas un autre? À la base, j'étais parti pour prendre des panneaux Sonology, qui en a un seul, etc. Puisque je voulais du BIM, mais je voulais en 400 watts minimum. Et celui de BIM à l'époque était que en 300 watts. Donc j'ai failli prendre celui de Sonology. Mais ce qui m'embêtait à Sonology, c'était des grands panneaux, très encombrants, livrés sur palette, etc. Et moi, pesant très lourd. Et moi, ça me dérangeait un peu. Et au moment où je allais commander, BIM arrive avec les précommandes pour le 420 watts. 420 watts qui va, on va pouvoir utiliser que 400 watts, bien sûr, parce que le micro-onduleur, il fait que 400 watts. Donc 420 watts qui peut encaisser, mais ce sera du 400 watts à cause ou par le micro-onduleur qui accepte que 400 watts. Donc voilà, pourquoi BIM, quand je vous dis BIM, parce que c'est des petits panneaux de ceux-là, et maintenant, avant c'était en 70,5, maintenant c'est en 80,5, donc ces petits panneaux on peut transporter facilement, on peut mettre dans le coffre d'une voiture, etc., si on déménage, ou si on le vend, etc., on peut le déplacer facilement. Quand il est dehors, si on veut le déplacer parce que on l'a mis, ça ne nous convenait pas, mais c'est facile à déplacer, contrairement à Sonology et les autres. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour du pourquoi, du comment. Donc, on va déballer ça. Bien entendu, c'est ouvert, c'est normal. Puisqu'il fallait que je vérifie. Alors, voilà. Hop, c'est un carton assez encombrant. Assez encombrant. Minimum encombrant par rapport à une palette d'une autre marque. Mais ça fait 39 kg. 39 kg, c'est raisonnable. Hop. On met ça là-bas. Ici, dessus comme ça, on va trouver la petite notice. Les documents dedans. Tout le montage, le document technique. Voilà. Les orientations des panneaux. Pareil, on va mettre ça de côté. Dedans, vous trouverez les 4 feuilles. Moi, pour information, j'ai pris le système pour le mettre au mur. Donc, il y a le système pour le mettre au sol, par terre. Et il y a le système pour le mettre au mur. Moi, j'ai pris pour le mettre au mur. Donc, ça, c'est les feuilles que vous allez coller sur votre mur. Et après, vous allez percer aux différents trous là vous mettez de la feuille de niveau sur votre mur et après vous percez pour mettre les chevilles et là pour pouvoir mettre des panneaux. Hop, voilà, il y en a 4, bien sûr il y a 4 panneaux. Moi j'ai pris le floral parce que le floral c'est vachement plus joli donc que les unis, en tout cas moi c'est mon goût. Donc voilà, petite autre information, BIM ne m'a pas offert ses panneaux pour que je fasse sa présentation, j'ai payé mes panneaux. Donc je le dis avant d'entendre ci, d'entendre ça,
J'ai payé mes panneaux parce que je voulais les tester. C'est tout, ça s'arrête là. Et je voulais voir cette solution en produisant de l'énergie, en l'injectant. Qu'est-ce que ça donnait, c'était vraiment rentable, etc. Donc voilà, j'espère, pareil, qu'il n'y aura pas de problème avec. Parce que je les ai pris en précommande le 22 avril. Et j'étais livré aujourd'hui, ce matin là, le 13 juin. Donc, c'est les je suis dans les premiers. Donc, espérons que ça aille. Il y en a 4 comme ça. Donc, 80,5, 80,5 par 80,5. 4. Et puis, dessous, au fond, il y a les rails pour les poser au mur. Il y a le câble, etc. Donc, chaque panneau est posé l'un sur l'autre avec un carton au milieu pour le protéger. Et en tout au fond, en dessous, vous trouvez les rails, l'alimentation avec le truc pour le Wi-Fi, la beambox comme ils appellent ça, et tout le nécessaire, cheville, etc. Donc je déballe tout ça et je vous montre la suite. Allez, à de suite les amis. Et pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification et le petit pouce en l'air. Re les amis, je vous montre tout. Ici dans cette boîte, vous avez la beambox, c'est-à-dire le câble électrique pour brancher au secteur de 10 mètres. La beambox. Hop, vous pouvez même mettre une petite vis pour l'accrocher. Voilà. Après, on ferme ça. Ici, c'est tous les accessoires. Donc, vous avez cette petite rallonge pour faire le circuit pour revenir entre les panneaux. Donc, vous branchez vos panneaux entre eux et après, il faut faire une boucle. Donc, vous rebranchez ça avec le dernier, puis le premier. Vous avez les chevilles avec des petites rondelles, chevilles Fischer de la qualité. Vous avez un petit truc comme ça. Alors ne me demandez pas ce que c'est. Il n'y en a qu'un. C'est bizarre. Il devrait en avoir 4, mais bon. Je sais pas. Peut-être que c'est un pour quelque chose. Je ne peux pas vous dire. Je vous dirai ça. De toute façon, au montage. Voilà. Les cartons sont bien mis. Ils sont dans des petites encoches en bas. Ça bouge, c'est bien fait. Hein. Vous avez des petites encoches dessous là, et ça rentre dedans comme ça ici. Comme ça, ça bouge pas. Et là, une petite encoche ici, et ça rentre dedans comme ça. Après, vous avez l'onduleur, le micro-onduleur. Il est là. Voilà, de la marque Omice, de 400 watts. Avec le petit témoin ici, avec leur branchement là et les capuchons. Hop. Voilà. On referme ça. On a fait le tour. Après, vous avez les rails, super léger les rails, donc c'est impressionnant. Voilà, les panneaux s'accrochent de chaque côté ici et ici, et après on éclipse là pour faire le remonter pour l'angle de au soleil, l'orientation pardon. Donc avec ça il y aura l'angle automatiquement, donc c'est super léger. C'est impressionnant. Et voilà, on a fait le tour. Donc, c'est déjà pas mal. On a fait le tour. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là, immédiatement?
Ben, pas grand chose. Je regarde ce qu'il y a à vous montrer et puis on se retrouve après. Allez les amis, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à de suite. Ici on va coller les passerons au mur, on va les mettre de niveau, on va percer à travers ou sinon faire des marquages pour pouvoir placer les rails pour les panneaux. Ici, après avoir percé les trous, on met les chevilles, on enlève les patrons bien sûr, on met les chevilles pour placer les rails après. Attention, pour le parpaing, les chevilles fissures, des fois c'est pas bon, il faudra mettre vos propres chevilles, à vous de voir. Pour fixer l'onduleur, le micro-onduleur, il faudra choisir où vous voulez le placer, sur quel rail, suivant la distance, etc. Et ce petit truc que je vous disais, je ne sais pas à quoi ça sert au début, bon, après regarder dans la notice qui est super bien expliquée, ça sert à le mettre devant comme ça, pour l'empêcher de bouger. Et ces vis-là, ça sert à fixer l'onduleur sur l'un des rails. Donc à vous de choisir où vous voulez le mettre. Et après, c'est bon. Allez les amis, à de suite. Ici, on a mis le micro-onduleur sur le rail, donc sur le rail que vous voulez. Et après, on va brancher tous les câbles avec, poser les panneaux. C'est très facile à mettre. On enclenche, ça fait clips et c'est verrouillé. Ici, il me reste le dernier panneau à poser, donc j'ai fixé le patron et après je rajouterai le rail, même étape que précédemment. Très simple, je fais ça étape par étape. Voilà, le rail est posé. Il nous reste le dernier panneau à mettre. Le micro-onduleur est posé sur le panneau du milieu, juste à côté, à droite, là, où vous voyez. Et le dernier branchement et tout sera nickel. N'oubliez pas d'aller voir le code promo qui est dans la description, qui vous offre 15% sur votre première commande. Voilà, l'installation est terminée. Il me reste juste à peaufiner les câbles et bien les attacher dessous derrière pour qu'on ne les voit pas. Et ça produit déjà. Sur ce sujet, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer qu'est-ce que j'ai produit et un retour là-dessus dans quelques mois. Donc n'oubliez pas d'aller voir le code promo qui vous offre 15% de réduction sur votre première commande qui est dans la description. Abonnez-vous. À plus les amis.